Tout le monde, oui, je suis de nouveau de retour pour vous expliquer quelque chose. Oui, en effet, chez Le Joli Sourire, je ne dis plus les marques. Non, non, j'ai décidé que je ne disais plus les marques, puisque pourquoi faire de la pub pour des marques? Voilà. Et puis, je ne vais pas vous obliger à acheter rien du tout. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, ben, cherchez le moins cher. Le Joli Sourire. Voilà. Alors, on va faire ça. Et puis. Je l'ai reçu ce matin. Je ne vais pas vous dire le nom. Hein, parce que ce n'est pas français. C'est Srench. Alors ça s'écrit S-R-E-M-T-A-C-H. Soldering Iron Kit. Modèle. Ah, il y a un modèle. MH2148. Si vous voulez prendre le même. Au cas où. Voilà. Donc dedans. Je vais vous baisser parce que j'ai tout enlevé en fait. J'ai recommencé la vidéo 36 fois. Donc, dedans, vous avez automatiquement le fer à souder, n'est-ce pas? Qui est bien pratique parce que, en fait, ici, ça se dévisse pour changer les petits embouts. Alors, on ne peut pas le changer quand c'est chaud. Hein. Et puis, ici, vous avez un truc en silicone pour éviter qu'on se brûle parce que j'ai le cas... dans mon fer à graver le bois, il n'y a pas ce genre de truc. Je me brûle à chaque fois, je suis obligée de mettre du liège parce que d'entourer ça de liège, parce que c'est pas possible, c'est trop chaud. En plus, celui-ci il monte jusqu'à 450 degrés, mais l'autre il monte jusqu'à 950. Donc, quand vous avez 950 dans du plastique, je vous dis pas, vous avez les mains qui brûlent. Vous avez un petit bouton pour générer la température de 200 degrés jusqu'à 450 degrés, vous avez un bouton on-off. Alors ça, c'est super parce que quand vous ne l'utilisez pas, vous n'êtes pas obligé d'enlever la grosse prise. Moi, j'avais une énorme prise comme ça. Là, vous pouvez l'éteindre directement. Et puis, c'est livré avec un petit... Alors, on a les boulons pour... je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Un petit support pour mettre le... Vous voyez, pour le faire tenir. Donc ça, c'est pas mal, quoi. Comme ça. Et puis, vous avez la petite éponge où il faut mettre de l'eau. Bon, peut-être je vais la changer, hein, parce que un peu riquée. Peut-être en mettant de l'eau, elle va gonfler. Vous avez le rouleau d'étain pour faire la soudure, bien entendu. Et vous avez ce petit ustensile. Alors, ils n'expliquent pas trop dans l'explication ce qui se passe. Mais en fait, c'est un dessoudeur. C'est un souffleur, enfin, c'est un aspirateur d'air. Donc, ça aspire les... C'est un dessoudeur, donc ça aspire les soudures. Alors, vous faites chauffer au fer à souder. Et puis après, vous aspirez avec le petit aspirateur. Moi, je trouve que c'est pas mal pour... Alors, je l'ai payé. Alors, il était à 22 euros et quelques. Il y avait un bon de réduction... sur le sourire de 3 euros et des bananes, donc j'ai payé 19 euros. Donc je trouve que c'est pas très cher pour 19 euros par rapport à des endroits où j'avais vu que ça coûtait 30 et puis il n'y avait que le pistolet en fait, il n'y avait que le fer. Je trouve que c'est pas très cher. Après, voilà, moi je peux, donc c'est pas le problème. Et je voulais aussi vous dire, alors je ne peux pas vous le montrer parce que ma fille l'a pris pour l'école pour le montrer à son prof de... Excusez-moi, j'étais de travers. Son prof de physique ou de chimie, je ne sais plus, je sais pas. Ils ont changé les noms depuis que j'étais à l'école, moi ça remonte. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi ça remonte. Et donc j'ai fait un petit système électrique sur de la cartonnette avec des LED, donc une LED comme ça. Une pile. Ah ouais, c'est sans soudure. Alors, vous n'avez pas besoin de fer à souder. Vous faites toute seule vos petits trucs. Alors, vous avez besoin de ces trois choses. C'est du fil de cuivre autocollant. Donc, vous enlevez la petite pellicule. C'est comme du scotch. Et avec ces trois choses, ben, vous pouvez faire de l'électricité sans soudure. Ah ben ouais, vous avez juste à coller et à faire le système. Ah ouais. Alors, j'avais acheté des petites... Pardon pour le bruit. J'avais acheté des petites LED microscopiques. J'avais payé ça 3 euros et des bananes. Et ben, j'arrive pas à les faire marcher. Alors, si quelqu'un s'y connaît un petit peu,
Vous me direz pourquoi? Parce que je l'ai pris, j'ai mis sur du scotch, j'ai essayé de faire marcher. Et ben, ça ne marche pas. Ça marche que. Ben, heureusement, j'avais acheté celle-là. Ça ne marche qu'avec ça. Donc, ça coûtait 13 euros. Vous en avez pas mal. Hein, j'en aurai peut-être pour toute ma vie entière, je pense. Parce que même si je fais des maisons, même si. Alors, ça va me servir bien pour faire. Il faut que j'achète des petits interrupteurs. Parce que je veux faire un fond sur mon mur, derrière mon village de Noël, un fond de maison, mais sans maison. Juste avoir la façade et avoir les lumières. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, si vous ne voyez pas, de toute façon, je vous mettrai en dessous. Et pour faire des cartes de Noël pour envoyer à votre famille et tout, avec le petit nez du Père Noël qui s'allume, ou du renne, ou les yeux des animaux qui s'allument, ou le sapin de Noël avec les petites boules qui s'allument de toutes les couleurs, comme j'ai plein de couleurs. Voilà, on peut faire plein de choses. Je vais vous faire des tutos. Donc, bientôt, ça va t'arriver, bien incessamment sous peu. Si, 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 je vais le faire. Bah oui, et pourquoi? Et pourquoi j'aurais pas le droit? Bah si, si j'ai droit. Si j'ai droit, des droits, alors je le fais. Alors, si vous voulez voir plein de petits tutos à venir, ben, vous avez qu'à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez, vous mettez la cloche avec toutes, parce que si vous mettez, sélectionnez pas toutes, vous ne recevez pas des alertes quand je sors une vidéo. Non. YouTube a décidé qu'il fallait cliquer sur toutes pour pouvoir avoir mes notifications. Enfin, les notifications de tout le monde. Mais sinon, ils ne vous le mettent pas en alerte. Ils vous le mettent dans vos abonnements. Mais ils ne vous alertent pas quand il y a une vidéo qui sort. Ouais, ça me l'a fait plusieurs fois. Des lives ou des trucs que j'ai ratés parce que ben, je n'ai pas activé la petite clochette avec toutes. J'ai activé la clochette, mais pas toutes. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Ouais. C'est la plus courte que j'ai fait de la semaine. Hein. Ah non, j'ai fait les shorts. Ah ouais. Ah, je me suis bien amusée. Je me suis amusée devant. Et puis, si vous n'aimez pas, eh ben, tant pis, changez de chaîne, c'est pas grave. Ne prenez pas la tête. Voilà. Faites, vivez tranquillement, sainement, avec joie et bonheur. Ouais. Et puis, avec simplicité, pas se prendre la tête. Voilà. Je vous fais mille bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.